les affameurs. Les patrons se mettent en grève. L'affameur crie à l'affamé. Il faut qu'on me cède ou qu'on crève. L'atelier du maître est fermé. Il réduisait 2 sous de l'heure. 2 sous de moins. On ne peut pas. S'il faut qu'en travaillant l'on meure, autant se couper les 2 bras. Voyant l'ouvrier sans ressources, le capital se sentait fort. Qui tient les cordons de la bourse a le droit de vie et de mort. Mais qu'ils les ferment, leurs fabriques, où nous râlons tous entassés, dans l'ouragan des mécaniques, leur bagne des travaux forcés. Enfants décharnés, tête grise, pour nous le supplice est sans fin, car ce n'est pas la corde assise qui nous condamne, c'est la faim. Toi qui voulais, sur ma semaine, au gosse acheter des souliers, tu vois, femme, comme on nous mène, nos arts ferment leurs ateliers, leur ukase nous prend en traître, et l'on ne sait pas soulever. Dire que 8 gredins vont mettre 20 000 hommes sur le pavé. Plus d'un enfant sera victime avec ça que voici l'hiver. Est-ce que je ferais un crime si je m'armais d'un revolver? Leur justice viendrait me prendre pour me couper le cou. Des lois, il n'en est pas pour nous défendre contre les assassins bourgeois. Leurs pères ont frayé la route. Quand on parle d'exproprier, leur noblesse d'emprunt redoute 89 ouvriers. Pour faire bouillir leur marmite, ils ont pillé les aristos. On craint pétrole et dynamite quand on a brûlé les châteaux. Mais nous, va-nu-pieds, nous qu'on chasse, nous pourrions, dans un branle-bas, écrabouiller, sous notre masse, casse-tête et fusil gras. Ils auraient beau crier « main forte » et se traîner à 2 genoux, nous pourrions enfoncer la porte et dire « nous sommes chez nous ». Les patrons se mettent en grève. L'affameur crie à l'affamé « il faut qu'on me cède ou qu'on crève ». L'atelier du maître est fermé.